Salut, salut à tous! Petit live improvisé, donc je vais vous faire un petit live en direct des Bahamas. Si tu me suis sur Instagram, tu dois voir déjà toutes mes aventures un peu entre la Floride et les Bahamas. Si tu me suis pas, n'hésite pas à checker aussi mon compte, c'est Maxence Chabert sur Instagram. Donc là, je suis en direct des Bahamas et j'avais deux choses à te parler aujourd'hui, donc tu as pu sûrement le voir dans le titre. Le premier, j'aimerais répondre à une question qui est le crédit sur 35 ans. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ça ne l'est pas? On entend beaucoup de personnes qui disent c'est trop bien, d'autres personnes qui disent c'est pas super et ainsi de suite. On va voir ça et je vais essayer d'être le plus impartial possible du coup dans cette vidéo et te donner des avantages, des inconvénients de chacun. Et ensuite, je te parlerai d'Investisseurs Libres qui a réouvert ses portes depuis quelques jours seulement. Donc, j'ai fait un premier lancement sur Instagram où j'ai réouvert les portes en priorité sur Instagram et pour tous ceux qui étaient aussi qui avaient suivi la formation offerte. Et du coup, maintenant, j'ouvre aussi à Facebook et après, je vais ouvrir à YouTube. Donc, quand je dis j'ouvre progressivement, c'est simplement qu'il n'y a que 100 places. On en reviendra à la fin de cette vidéo où je t'expliquerai exactement ce qu'est Investisseurs Libres. Mais ça fait à peu près 4 mois que j'avais fermé le programme. Et j'ai eu énormément de questions pour savoir quand est-ce que le programme réouvre ses portes. Donc j'aime bien l'appeler aussi l'incubateur de rentiers. Donc c'est Investisseurs Libres, c'est mon programme phare. C'est selon moi un des plus gros programmes, voire le plus gros programme francophone sur l'investissement immobilier, tout simplement parce qu'actuellement il y a 15 modules et je suis en train d'en tourner encore 3 autres. Mais bon, je dirai ça un peu plus loin dans la vidéo. Je vais rentrer en détail un peu plus là-dessus, pas de problème. Maintenant, je vais parler rapidement du crédit sur 35 ans. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Alors, on entend beaucoup parler de personnes qui disent que c'est vraiment pas une bonne idée, il faut avoir le moins de dettes possible ou autre. Je pense que c'est déjà premièrement un état d'esprit à avoir. En France, on est un peu contre la dette, dans le sens où c'est un peu mal vu d'avoir une dette. Alors que, par exemple, juste avant, j'étais en Floride, donc il y a quelques jours, un peu moins d'une semaine. Et là-bas, à l'inverse, la dette est hyper répandue. Et la carte de crédit, à la base, vient même des États-Unis, enfin, vient même de ces systèmes-là bancaires. C'est parce qu'à chaque fois, on paye par crédit. En France, c'est un peu un abus de langage. Normalement, c'est une carte de débit. Mais là-bas, c'est vraiment une carte de débit parce qu'on a un crédit score et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment une culture de la dette. Et même à côté de la France aussi, on peut avoir la Suisse, par exemple, qui adore la dette. Ou moi, j'avais un ami qui était gestionnaire de dette, donc il avait un très gros portefeuille où son objectif c'était de trouver la dette la plus longue au meilleur prix. Donc c'est vraiment pour montrer dans l'esprit que en Suisse notamment, à Genève surtout, c'est des pays qui coûtent très très cher et du coup personne n'est vraiment pleinement propriétaire. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un peu les deux états d'esprit. En sachant que en France, un des gros avantages majeurs par rapport à ces autres pays, c'est notre taux. Parce que dans les pays comme les États-Unis, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu la crise notamment, enfin des crises entre autres, c'est que les taux sont variables. Et ils sont peut-être bloqués pendant 5 ans, mais au bout de 5 ans, si tu as pris un crédit sur, je sais pas, 40 ans par exemple, au bout de 5 ans, le crédit peut varier. Donc si le taux augmente, tes mensualités vont considérablement augmenter, et du coup, tu n'auras aucune maîtrise là-dessus, tu n'auras aucune visibilité. Alors qu'en France, un des énormes avantages majeurs, c'est que le taux, là par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, mais la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube, j'étais avec Mathieu, et Mathieu a fait un crédit sur 30 ans, avec un taux fixe, c'est-à-dire que pendant 30 ans, son taux est fixe. Actuellement, les taux sont extrêmement bas, ils ne peuvent que remonter à moyen-long terme, on va dire, parce qu'on ne peut pas être en dessous de zéro, du coup, ce n'est pas possible. Et du coup, c'est là où c'est intéressant d'avoir un taux fixe actuellement sur une très longue durée, simplement parce qu'on bénéficie de l'effet de levier au maximum. Et ça, c'est hyper puissant, parce que là, on va mettre le moins d'argent possible, on va toucher l'argent le moins cher possible et rembourser le moins possible, mais sur une plus longue durée. Donc, c'est selon moi hyper intéressant. Salut Steph, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, en France, gros avantage, c'est que les crédits long terme commencent à se développer et souvent, on a des taux fixes qui sont en concordance. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, est-ce que c'est adapté ou non à votre situation? Donc premièrement, on va faire deux cas de figure, résidence principale et investissement locatif. Résidence principale, comme j'aime beaucoup le dire et comme beaucoup d'investisseurs le disent aussi, c'est que l'idéal, ce serait de rembourser au plus vite sa résidence principale sans pour autant trop se charger au niveau de son taux d'endettement. Ça veut dire qu'on va essayer de prendre une dette qui n'est pas trop longue ni trop courte, mais trouver un peu le juste milieu. Donc, on ne va pas prendre une dette qui est sur 25, 30, 35 ans, mais pourquoi pas sur 15, 20 ans, si après on peut toujours réinvestir, on ne se bloque pas non plus. Donc voilà, l'idée c'est résidence principale, on va le mettre un peu de côté parce que ce n'est pas forcément le plus adapté, on va dire, pour une longue dette, sauf si on a envie dans sa vie d'acheter que sa résidence principale et pas du tout investir, mais je ne pense pas que ça soit ton cas si tu regardes cette vidéo. Deuxième situation, c'est l'investissement locatif. Donc dès qu'on achète, on fait un crédit pour un investissement locatif.
Là, c'est intéressant parce qu'il y a encore deux cas de figure selon moi. Il y a la personne qui a besoin d'argent tout de suite, de cash tout de suite, et il y a la personne qui veut simplement se créer un patrimoine. Donc, par exemple, tu as le profil un peu comme moi quand j'ai commencé, où j'ai pas d'argent et j'ai envie d'investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent. Ça, c'est important. Et il y a le deuxième profil qui a un bon poste, il aime bien son travail, et ainsi de suite, et il a envie d'investir dans l'immobilier simplement pour se créer un patrimoine. Donc ça, c'est encore deux cas de figure. Et je pense que tu vois un peu où je veux en venir. C'est-à-dire que dans la première situation, la personne a besoin d'argent, et bien du coup, l'idée, c'est d'avoir la dette la plus longue. Pourquoi ? Parce que plus la dette sera longue, moins les mensualités seront élevées. Donc ça fait partie d'un des premiers avantages, c'est que voilà, tu peux avoir des mensualités plus faibles en investissant sur 30 ans, 35 ans que sur 15, 20, voire 25 ans. Ça, c'est le premier avantage. Et du coup, tu optimises ta marge tous les mois, tu optimises ton cash flow, tes bénéfices nets mensuels grâce à ça parce que tu rallonges ta dette. Et ça, c'est intéressant si tu as besoin d'argent tout de suite. L'avantage de ça aussi, c'est que si tu as un salaire qui est à ses limites, donc par exemple, si tu étais au SMIC ou voire un peu plus, un peu ce qui était mon cas quand j'étais maçon, et bien du coup, c'est intéressant parce que le fait de prendre une dette qui est longue, ça va te, comme d'habitude, comme on le disait, réduire tes mensualités. Et du coup, même avec un petit salaire, tu peux réduire tes mensualités et du coup, moins impacter ton taux d'endettement. Et ça, ça peut être méga stratégique. C'est ce que j'aime bien dire à chaque fois dans l'immobilier. L'immobilier, il n'y a pas de vérité totalement vraie ou de seule vérité. C'est que de la stratégie. Et si par exemple vous êtes dans un cas de figure où vous avez besoin de l'argent, d'argent tout de suite pour pouvoir réinvestir et ainsi de suite, eh ben n'hésitez pas à prendre un crédit qui est long terme, tout simplement parce que, alors certes, les gros inconvénients c'est que vous allez payer beaucoup d'intérêts, mais encore c'est même pas vous directement qui allez payer de l'intérêt, c'est plus vos locataires. Donc ça c'est pas forcément, enfin ça reste assez discutable. Certes, vous n'allez pas rembourser beaucoup de capital tout de suite, mais si vous avez vraiment un esprit d'investir, de continuer, pas forcément de revendre. C'est pas forcément impactant. Oui, c'est vrai que sur 15 ans, 20 ans, on va amortir beaucoup plus vite du capital. Donc si on revend à 5 ans par exemple, au bout de 5 ans, bah, c'est plus intéressant d'avoir fait un crédit court si ça reste rentable aussi pour vous et si vous gagnez de l'argent tous les mois pendant ce délai-là. Mais l'avantage c'est ça, c'est que vous allez minimiser les mensualités, du coup vous allez augmenter votre cash flow, ça va réduire aussi votre taux d'endettement, donc vous pouvez continuer à réinvestir. En plus, l'argent que vous générez de plus tous les mois, vous le mettez de côté, ça vous fait un apport potentiel ou du moins une trésor ou une épargne de sécurité. Voilà, il y a quand même pas mal d'avantages et du coup ça reste quand même très intéressant ça. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, bah, du coup vous allez utiliser le levier au maximum. Tout simplement parce que vous allez utiliser un levier qui est beaucoup plus grand, donc potentiellement vous pouvez lever beaucoup plus d'argent. Simplement parce que comme je le disais, vous allez réduire votre mensualité, donc vous allez réduire votre taux d'endettement, et qui dit réduire votre taux d'endettement dit que vous pouvez encore plus acheter. Donc au lieu d'acheter par exemple qu'un appartement à 100 000 sur 25 ans, là potentiellement vous pourrez acheter un appartement à 130, 140, 150 000 sur 35 ans. Donc votre effet de levier sera beaucoup plus gros et ça c'est intéressant. Et ça peut aussi vous permettre de vous débloquer des situations. Par exemple, il y avait Mathieu, dans la vidéo que j'ai tournée précédemment, où j'avais fait un cas de figure un peu avec lui. Lui a dû prendre un crédit sur 30 ans parce que du coup, ça descendait sa mensualité et grâce à ça, il a pu être financé. Sur 25 ans, ça passait pas parce qu'il était trop juste et du coup, au niveau d'endettement, il manquait pas grand-chose. Mais le fait que la banque lui ait proposé 30 ans au lieu de 25 ans, bah, du coup, ça lui a permis d'être finançable. Et ça, c'est hyper stratégique et on en revient à la stratégie dans l'immobilier et je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, ça c'était vraiment les gros avantages et la situation type, on va dire, pour le crédit sur 35 ans. En sachant qu'après, bah, bien sûr, il y a tout ce qui est vélocité de l'argent, où on va toucher de l'argent beaucoup plus vite immédiatement et en cash tout de suite, pas en remboursant du capital. Et du coup, on peut réutiliser cette vélocité de l'argent, donc réinvestir encore plus vite. Si vous économisez 2, 3, 400 euros par mois, à la fin de l'année, ça va faire 3, 4, 5, 6 000 euros de côté en plus. 6 000 euros, ça fait potentiellement les frais de notaire pour un projet à moins de 100 000 euros. Donc ça reste quand même plutôt intéressant à ce niveau-là et ça nous permet d'enchaîner très rapidement. Donc ça, c'était le premier cas de figure des personnes qui, tout simplement, qui ont besoin de cash tout de suite et qui ne cherchent pas forcément à se créer tout de suite un patrimoine, ou du moins à se créer un patrimoine, mais tout en optimisant leur mensualité. Deuxième cas de figure, c'est les personnes qui ont tout simplement envie de se créer un patrimoine, qui aiment bien leur boulot par exemple, et qui veulent simplement placer de l'argent. Là, je ne conseillerais pas forcément ce type de crédit qui est très long terme. Pourquoi ? Parce que comme je l'avais dit précédemment, on va peut rembourser le capital rapidement et on va payer beaucoup plus d'intérêts. Donc à l'inverse, si on veut quelque chose qui soit, par exemple, je sais pas, vous avez 40 ans, votre enfant a 5-7 ans,
Et du coup, vous avez envie qu'il ait un appartement à Lyon, pour reprendre Lyon, c'est là où j'habite, à Lyon. C'est intéressant de faire un crédit, pourquoi pas sur 15 ans, si bien sûr ça reste rentable et que ça s'autofinance. Sur 15 ans, parce que pourquoi? Dans 15 ans, votre enfant aura 20 ans, 22 ans, 23 ans, sera en études, vous aurez un studio qui est entièrement payé pour lui. Donc si vous n'avez pas forcément besoin d'argent tout de suite, les crédits qui sont beaucoup plus long terme sont pas forcément le plus intéressant. Et là, du coup, si c'est vraiment purement patrimonial, entre 15 et 25 ans, ça reste très bien. Au-delà, on va dire, on passe sur du crédit qui est plus long terme, très long terme, même on appelle ça à la banque. Et du coup, là, c'est vraiment pour optimiser ses finances. L'avantage aussi du crédit qui est un peu moins long terme, donc on va dire entre 15 et 25 ans, c'est que tout de suite, on va rembourser beaucoup, beaucoup de capital. Donc, ça peut être aussi stratégique si vous avez une optique de revendre ce bien, de faire un pseudo achat-revente sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. Là, c'est intéressant de prendre des crédits entre 15 et 25 ans parce qu'on va amortir beaucoup plus de capital que si on prenait un crédit très, très long terme. Après, comme je disais, il faut toujours faire attention aussi que ces mensualités de ces crédits ne vous impactent pas sur le reste et ne vous impactent pas sur vos ans, sur vos prochains investissements immobiliers. Donc, restez bien très stratégique. L'avantage aussi, c'est qu'on a pas mal d'avantages fiscaux notamment, parce que du coup vous allez avoir beaucoup plus de frais, vous allez avoir beaucoup plus de choses à payer immédiatement, du coup ça va vous réduire considérablement votre net imposable et du coup vous allez pouvoir amortir beaucoup de choses. Donc ça c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Les moins, donc si c'est pas forcément stratégique de prendre un crédit sur 15 ans, 20 ans par exemple, et bien du coup ça sert à rien de le prendre parce que du coup vous allez vraiment vous charger tous les mois et du coup votre taux d'endettement va être plombé. Alors que si vous avez le choix entre un crédit 15 ans où vous allez être vraiment ric-rac et limite vous pouvez en faire qu'un, et un crédit sur 25, 30, 35 ans où là vous pouvez en faire un ou deux ou trois, bah là c'est plus intéressant de prendre du très long terme. Donc il faut vraiment que ce soit stratégique si vous prenez un crédit sur entre 15 et 25 ans, et il faut aussi que ça soit stratégique entre 25 et 30 ans et 35 ans pour que ça soit voilà, que ce soit en cohérence avec tout ça. Et du coup, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc, c'est un peu mon point de vue. Comme je vous l'avais dit, je ne suis pas forcément partial. Donc, je ne vais pas prendre parti sur le crédit très long terme ni sur le crédit moyen-long terme, on va dire 15, 25 ans. Mais je suis plutôt en mode stratégique. Donc, si vraiment c'est stratégique pour vous, autant le faire. Voilà, ça reste de la stratégie. Et j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous plaire. Maintenant, je vais parler rapidement de investisseurs libres, tout simplement parce que c'est des questions qui reviennent très souvent. Comme je vous l'ai dit, j'ai réouvert la formation investisseur libre. À la base, je devais tourner un module ici aux Bahamas. Finalement, j'ai pas pu le faire pour diverses raisons. Je le dis de toute façon dans le groupe Facebook qui est spécialement dédié pour ça. Mais ce module, je le retournerai, c'est le module Millionnaire Mindset et je vais retrouver une autre destination où j'aurai vraiment le temps de le tourner. Là, c'était un petit peu spécial. Mais en gros, investisseur libre, qu'est-ce que c'est? C'est mon programme phare sur l'investissement immobilier. Actuellement, on a 15 modules vidéo, un groupe Facebook, un live Facebook par mois, une rencontre par mois. La prochaine est le 31 mai, vendredi 31 mai à Paris. Donc voilà, si tu es parisien, que tu regardes cette vidéo, que tu as envie de rencontrer beaucoup, beaucoup d'investisseurs sur Paris, n'hésite pas aussi à t'inscrire à un investisseur libre. Et maintenant, je vais aussi me mettre à faire des séminaires. Donc, je vais faire entre 2 et 4 séminaires tous les ans. La priorité, bien sûr, sera aux investisseurs libres, donc toutes les personnes qui sont dans le programme. S'il reste des places, je les ouvrirai à tout le monde. S'il n'y en a plus, bah, malheureusement, vous ne pourrez pas y accéder. Donc, je laisse vraiment l'accès. Ça va être le club success qui va te permettre d'accéder en fait à tous ces séminaires. Du coup, je laisse uniquement l'accès à ça et aux investisseurs libres. Ensuite, en rejoignant investisseur libre, tu auras un bon d'achat de la valeur du programme que tu auras pris sur Chabert Agencement. Donc, si tu le sais, j'ai créé ma société qui fait de l'ameublement, de l'aménagement clé en main, livré en une livraison, financé par la banque. On a notre décoratrice en interne, on va d'ailleurs recruter. Et du coup, tu auras un bon d'achat de la valeur du programme. Si par exemple, tu prends en une fois, tu auras la valeur de la première mensualité en une fois. Si tu prends le règlement en trois fois, tu auras la valeur de ce bon d'achat, sera de la valeur de ta première mensualité. Donc, tu peux avoir toutes les informations dans la description au-dessus sur Facebook et en dessous sur YouTube si tu es intéressé, si tu veux nous rejoindre. Là, je pense que je vais fermer dans une semaine les portes, tout simplement parce qu'il y a 4 mois, j'avais fermé les portes. Je voulais accompagner les personnes, donc j'ai envie de faire comme des promos en fait. Donc, il y a 4 mois, j'avais fait la première promo où j'ai lancé. Et j'ai eu beaucoup de cas, beaucoup de réussites. Tu as pu voir ces dernières semaines sur ma chaîne YouTube, beaucoup de cas concrets, d'études de cas, de personnes qui ont eu de gros résultats. Il y en a d'ailleurs beaucoup, beaucoup qui arrivent encore parce qu'il y a beaucoup de passages à l'action. Il y a encore Soum Soum, là, hier, qui a posté une photo et il a fait un nouvel investissement IMO qui lui fait gagner 500 euros par mois. Donc, autant te dire que c'est hyper intéressant. Et ça, dans le groupe, on est actuellement 170 sur la plateforme et sur le groupe Facebook.
Et tous les jours, il y a des échanges ultra constructifs. Tu as des personnes qui ont des millions et des millions de patrimoine, parce qu'il y a aussi les personnes de mon mastermind privé. Donc le mastermind où tu devais avoir 1 million de patrimoine, toutes ces personnes qui sont dans ce mastermind, donc il y en a à peu près 18, elles sont aussi dans ce groupe privé Facebook Investisseurs Libres. Donc tu peux avoir une énorme valeur là-dessus. Et juste en 18 personnes, allez, on va dire, tu as plus de 30, 40, 50 millions qui sont dans, qui viennent du mastermind et qui sont aussi dans ce groupe privé. Donc hyper important. Et pour ce qui est du groupe, enfin de la plateforme de formation, c'est une plateforme e-learning qui est accessible à vie. Ce qui fait que j'ai encore reçu une question ce matin, c'est j'ai envie de m'inscrire tout de suite, mais j'ai envie de le suivre dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Il n'y a pas de souci, cette plateforme est accessible à vie. Et sur cette plateforme, c'est là où premièrement, tu vas trouver tout ce qui est lien pour le groupe Facebook. Tu pourras t'inscrire, vu que c'est un groupe privé, secret, tu ne pourras pas le trouver, tu ne pourras pas y accéder autrement. Et ensuite, tu auras accès à tout le programme vidéo. Donc actuellement, comme je te disais, il y a 15 modules. Donc 15 modules qui sont, honnêtement, ça fait quasiment 100 heures de formation vidéo. C'est vraiment un truc qui est hyper, hyper dense. Premier module, ça va être sur les stratégies adoptées, si tu as investi ou pas encore. Toutes les questions à se poser, toutes les choses à mettre en place. Donc c'est un très, très gros module qui fait plusieurs heures. Celui-ci, je l'avais tourné, je crois, c'était sur le glacier de Val Thorens. Donc vraiment super cool. L'idée aussi, au travers de cette formation, c'était de faire le tour du monde. Donc, tout simplement pour t'exciter, c'est pour ça d'ailleurs que j'étais aux Bahamas ici aussi, pour vraiment te motiver à passer à l'action. Deuxième module, ça va être sur la chasse immobilière. Donc, pourquoi la chasse immobilière? Depuis peu, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai une agence qui fait de l'investissement immo clé en main. D'ailleurs, si tu rejoins Investisseurs Libres, tu passes en priorité sur les bonnes affaires. Ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper important, parce que juste avec une bonne affaire, tu peux gagner 3, 4, 500, 1000 euros par mois. Donc, ça reste hyper intéressant. Je forme des chasseurs immobiliers à la chasse pour qu'ils soient performants et pour qu'ils puissent gagner leur vie grâce à ça. Donc si j'arrive à former aussi des chasseurs immobiliers au sein de mon agence, je pourrais te former pour trouver des bonnes affaires. Et nous, la difficulté là-dedans, c'est qu'on doit trouver encore plus de bonnes affaires, parce que des clients, on en a des dizaines et des dizaines et des dizaines à servir. Donc il faut constamment qu'on trouve des bonnes affaires. Et maintenant, c'est les personnes qui nous appellent pour nous proposer ces bonnes affaires. Donc je t'explique tout dans ce module, comment est-ce qu'on met en place pas à pas une stratégie pour que les bonnes affaires viennent à toi et que personne n'en ait entendu parler. Parce qu'il faut savoir que je discutais avec mon notaire qui me disait que plus de 70% des transactions qu'il faisait, il travaillait beaucoup avec des pros, marchands de biens, promoteurs, investisseurs, et il me disait plus de 70% des transactions qu'il réalise, ce sont des projets qu'ils n'ont jamais vus. Donc ça veut dire que, enfin, qui n'a jamais été paru sur le marché, Le Bon Coin, en agence immobilière ou autre. C'était que des trucs off-market, comme on le dit. Et du coup, c'était que des infos où, ah ben tiens, j'ai une petite info, vas-y, viens visiter, tranquille, t'es le premier, et ainsi de suite. Et c'est exactement ça qu'on a mis dans l'agence maintenant. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on a les meilleures affaires. Et ça, je te dis exactement, étape par étape, comment est-ce que tu peux faire pour l'avoir. Donc, un module extrêmement important, en sachant que dans l'immobilier, la bonne affaire se fait toujours à l'achat et non à la revente ou à l'exploitation. Donc, très, très gros module. Ensuite, on va parler du financement. Donc, du financement, la petite anecdote, c'est il y a Corinne, d'ailleurs, qui est une de mes chasseurs. Elle s'était fait financer son dernier projet en date. Et dès qu'elle est allée voir la banque, le banquier lui a dit « Waouh, j'ai jamais vu un dossier aussi complet ». Et le fait qu'elle lui ait dit ça, c'est que le banquier lui a dit oui tout de suite. Et ça, c'est hyper important, parce que là, tout de suite, vous changez de niveau carrément dès que vous allez voir votre banquier et que le banquier est choqué de votre dossier bancaire. Pourquoi ? Parce que monter un dossier bancaire, c'est quelque chose qui est très important, qu'il faut faire très attention. Il y a beaucoup de choses à faire attention aussi. Donc, je vous explique tout ça dans ce module. C'est comment avoir un banquier qui soit choqué de votre dossier. Et du coup, si votre banquier est choqué de votre dossier, je peux vous dire qu'il va vous financer très, très facilement. Donc, ça, c'est aussi un module qui est extrêmement complet sur ça, sur le financement immobilier que je vous transmets, que je vous retransmets du coup dans ce troisième module. Quatrième module, ça va être le passage chez le notaire. Je vous explique tout de A à Z, comment ça se passe un compromis, un acte final, ce qu'il faut négocier, ce qu'il faut faire attention aussi. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire attention, tout ce qu'il faut prévoir et ainsi de suite. Ça, c'est très intéressant si vous n'avez jamais investi dans l'immobilier, par exemple. Comme ça, vous connaissez exactement tout. Moi, pour la petite anecdote, le tout premier investissement immo, donc à l'époque, les formations vidéo n'existaient pas. Les formations sur l'investissement immobilier. Et du coup, ça m'a valu pas mal d'erreurs, notamment une où c'était le séquestre, par exemple, et je ne savais pas du tout ce qu'était le séquestre. Et dès que je suis allé voir le notaire et qu'il m'avait demandé 5000 euros de séquestre, j'étais choqué parce que je ne les avais pas sur mon compte. Donc voilà, ça te met toujours dans des positions qui sont un peu délicates. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de savoir comment ça se passe si tu n'es jamais, si tu n'as jamais fait. L'avantage, c'est que grâce à cette formation, tu peux accéder au savoir de beaucoup de personnes et qu'on mutualise tout à l'intérieur.
Ensuite, cinquième module, ça va être rénovation expert, donc le programme sur la rénovation que j'ai faite avec Renault. C'est pareil, la rénovation immobilière, c'est une étape qui est très importante parce que si tu as le moindre problème, tu es bloqué. Voilà, si tes artisans te plantent au niveau de ton chantier, tu es bloqué. Si tes artisans ont mal chiffré, du coup, c'est beaucoup plus cher, ça risque de te coûter très cher, de te faire perdre du temps et ainsi de suite. Donc très très important aussi ce module sur la rénovation immobilière et du coup là je me suis entouré d'un pro, donc Renaud Lager qui a une société depuis 8 ans ou 9 ans dans les travaux et qui du coup avec lui j'ai fait ce module en partenariat et on rentre en détail sur tout, division, colocation, rafraîchissement et ainsi de suite, vraiment tout de A à Z, comment est-ce que tu peux réussir sans être un pro du bâtiment, mais comment est-ce que tu peux réussir toutes tes rénovations immobilières. Stéphane dit, je le recommande à 200%, donc la formation investissable. Je te remercie Stéphane. Stéphane d'ailleurs qui est rentier depuis décembre, je crois Stéphane. Donc félicitations à toi. C'est des mecs comme Stéphane que vous pouvez retrouver aussi dans la formation. Voilà, des mecs qui sont déjà rentiers mais qui continuent à être là pour vraiment avoir constamment cette excitation, ainsi de suite. Il y en aura beaucoup dans la formation quand vous allez l'intégrer. Il y a aussi Patrick que j'ai accompagné toute l'année dernière qui a doublé son patrimoine immobilier. Il est passé à plusieurs millions de patrimoine, enfin, c'est quelque chose d'assez énorme. Voilà, tout simplement, ça, c'est ce genre de personnes que vous allez recommander. 300%, yes Fred, je te remercie. Donc Fred, avec qui je vais aussi faire un module, je vous en dis juste après, qui recommande la formation pas à 200 mais à 300%. Merci à toi Fred. Fred, t'as acheté combien d'appartements en un an déjà? 24 je crois. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur YouTube aussi, 24 appartements en un mois. C'est ce genre de personnes que vous allez découvrir sur le groupe Facebook Investisseurs Libres. Et je peux vous dire que quand vous côtoyez ce genre de personnes, c'est vraiment du lourd et là vous pouvez vraiment, vraiment tout péter. Yes, depuis le 29 juin. Ensuite, une fois qu'on a passé les travaux, on aura tout ce qui est exploitation. Là, j'ai fait des modules qui correspondent à des formations en tant que telles. Location courte durée, colocation, achat-revente, division, sous-location. 5 modules de grande qualité sur toutes les stratégies les plus rentables en 2018. Donc location courte durée, colocation, division, sous-location et ainsi de suite. Et il y en a énormément. Toutes les informations dans tous les cas sont dans la description. Ensuite, je vous disais, avec Fred qui a acheté 21 appartements en un an, avec lui, on va faire une vidéo, enfin un module entier sur les immeubles de rapport. Notamment, on va prendre pour exemple le dernier immeuble en date qui est en travaux actuellement, qui compte 12 lots. Donc on va faire une étude précise d'un immeuble qui compte 12 lots, qui n'a jamais visité avant d'acheter, qui a eu juste quelques plans, quelques infos, il s'est positionné, il a acheté et il l'a visité après. Donc très très intéressant, très bon mindset d'ailleurs aussi. Et du coup, on va faire un très gros module sur les immeubles de rapport. En plus de tout ça, vous avez le module sur tout ce qui est stratégie fiscale et patrimoniale. Là, je me suis associé, ou du moins je vais m'associer avec mon associé de l'agence immobilière, Jean-Bert, qui est gestionnaire, qui est conseiller en gestion de patrimoine, avec qui on va enchérir ce module. J'ai fait 5 ou 6 premières vidéos sur ce module avec un avocat fiscaliste et expert en création de société et ainsi de suite lié à l'investissement immobilier. Et en parallèle, je vais l'enchérir avec Jean-Berg, qui est mon associé. Et là, on va faire tout l'aspect gestion patrimoniale. Et là, ça va être hyper important et hyper intéressant. On va faire l'investissement à l'étranger avec Guillaume, qui est une agence immobilière qui fait de l'investissement à l'étranger. Donc, il a des agences en Asie, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam. Il a des agences aux États-Unis, Miami, Détroit et ainsi de suite. Il fait des projets en Espagne, il fait des projets en Portugal, il fait des projets dans tout le monde entier. On va voir aussi étape par étape comment est-ce qu'on peut faire pour investir à l'étranger. Très important si vous avez envie de vous hedger un petit peu, typiquement l'avantage d'avoir des biens par exemple aux États-Unis, c'est premièrement c'est une autre devise, donc ça vous permet de vous hedger, vous n'avez pas forcément tout en euros, vous avez des choses en dollars et c'est intéressant parce que si demain il se passe quelque chose au niveau de l'Europe, que l'euro se pète la figure, vous avez toujours du dollar qui arrive à compenser les deux. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est les investissements à l'étranger. Là, la formation hyper grosse, hyper énorme. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai aussi fait un module fast. Ce module fast, c'est un module résumé. Donc en fait, je vais résumer tous les modules un par un et je vais vous expliquer ce que vous allez retrouver, à quel moment, quel endroit dans chaque vidéo. Pourquoi ? Parce qu'avec une vidéo de 20 minutes, je vais résumer tout un module vidéo. Donc par exemple, je ne sais pas si c'est sur la recherche immobilière, je vous résume tout en 20 minutes. Et après, si vous voulez y aller encore plus profondément, vous avez peut-être 2 heures, 3 heures de formation vidéo qui sont beaucoup plus denses et qui sont beaucoup plus qualitatives. Mais comme ça, l'avantage de ce module FAST, c'est que ça vous permet de vous y retrouver beaucoup, beaucoup plus
facilement. Voilà, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite parce que souvent votre temps est cher et du coup ça je l'ai bien compris et c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc voilà du coup pour ce qui était de la plateforme vidéo, j'ai sûrement oublié 2-3 petits détails. Dans tous les cas vous pouvez tout retrouver dans la description, toutes les informations aussi. En plus de tout ça, vous avez accès au groupe Facebook, vous avez des mecs comme Stéphane, comme Fred, comme Patrick, comme plein de personnes, comme Mathieu, comme Cédric que vous avez vu sur ma chaîne YouTube, comme Kevin, comme énormément de monde, des personnes qui sont passées à l'action, qui ont beaucoup de résultats, qui vous les partagent toutes les semaines sur le groupe Facebook et du coup ça vous motive. Vous avez une question, vous la posez, il y aura toujours quelqu'un pour vous y répondre parce que cette personne est déjà passée dans ce cas de figure-là. Donc hyper important de bien se faire entourer, tout le monde dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on s'entoure et c'est exactement vrai. Donc voilà, le groupe Facebook. Sur ce groupe Facebook, je vais faire un live Facebook par mois au minimum en fonction des questions. S'il y a beaucoup de questions, eh bien, du coup je le ferai beaucoup plus long et beaucoup plus souvent aussi ce live Facebook. Mais ça c'est des questions qui sont un peu plus, on va dire, personnelles, un peu plus stratégiques au niveau de sa stratégie personnelle. Dans la formation, vous avez vraiment énormément de contenu, énormément de valeur et ça reste quand même assez général. Et des fois, il y a des petites métriques qu'il faut prendre en compte et c'est là où ça permet ce type de live Facebook de répondre à des questions qui sont beaucoup plus particulières, des cas de figure qui sont un peu plus spécifiques. Donc, un live Facebook par mois minimum au travers de cette formation. Ensuite, vous avez, comme je vous ai dit, un bon d'achat de la valeur de la première mensualité du programme Investisseur Libre chez Chabert Agencement pour meubler votre appartement. Demain, vous suivez le programme Investisseur Libre, vous rentrez dans la communauté, vous passez à l'action, vous achetez un appartement, vous allez devoir le meubler. On peut le meubler moins cher que si vous passez par une archi ou ainsi de suite, ou si vous le faites vous-même, parce que nous, on passe par des pros. Et en plus, vous avez un bon d'achat chez Chabert Agencement. Ensuite, vous avez le coffret Success qui est aussi disponible chez vous par courrier. Donc, c'est une petite bouteille de champagne pour fêter votre prochaine acquisition immobilière. Tout ça, c'est des bonus, c'est cadeau. Vous êtes prioritaire sur mon agence immobilière. On développe la Bretagne, Toulouse, la région lyonnaise. Dès qu'on a des bonnes affaires, on vous fait passer en priorité. Vous pouvez nous contacter directement, on vous passerait en priorité aussi si vous faites partie du programme. Tout simplement, pourquoi? Parce que nous, on a vraiment envie de filtrer, vu qu'on a beaucoup de demandes dans l'agence immobilière, on a envie de filtrer les personnes que l'on va prendre en mandat. Et du coup, des personnes qui ont suivi cette formation qui a été approuvée par l'ensemble de mon agence immobilière, et bien du coup, a des connaissances, est beaucoup plus efficace et sait quand est une bonne affaire. Donc, c'est tout naturel qu'on vous fasse passer en priorité. Vous avez aussi accès à tous mes contacts, voilà, immobiliers et ainsi de suite. Donc, tous ceux qui vont vous permettre de trouver des bonnes affaires, de gérer des travaux comme il faut, de gérer la déco, de gérer l'ameublement, de gérer l'exploitation et ainsi de suite. Vous avez accès à tout ça, expert comptable, avocat fiscaliste et ainsi de suite. Dès que vous avez une question, vous me demandez et vous aurez accès à tous ces contacts aussi. Vous avez aussi accès au Club Success. Le Club Success, c'est un tout nouveau club que je viens de mettre en place. C'est un club, comme je vous disais, où je vais faire des séminaires et vous aurez la priorité. C'est-à-dire que si demain je fais un séminaire, il y a 100 personnes, on est déjà actuellement 170, 175 en tant qu'investisseur libre. Probablement, ce sera full. Le premier événement sera full uniquement sur Investisseur Libre. Donc, si vous avez envie de participer à un de mes séminaires qui vous apporter beaucoup de valeur, où vous pouvez retrouver toutes ces personnes, Steph, Fred et ainsi de suite, et bien du coup, ce sera au séminaire immobilier que je vais commencer à organiser. Pareil, j'ai eu énormément de demandes de Maxence, quand est-ce que tu fais tes propres séminaires? Je vais vous faire des séminaires cette année, essayer de vous envoyer du lourd un maximum et vous allez vraiment kiffer. Donc voilà, je pense que c'est tout. Après, il y a encore plein d'autres avantages. N'hésitez pas à checker la description. Moi, je pense que je n'ai pas trop tardé parce que là, j'ai un prochain vol. Je quitte les Bahamas, malheureusement, mais c'est pour retourner en Floride. Donc, je ne sais pas quelle heure il est. Je n'ai pas l'heure à côté de moi, mais pour éviter de louper mon vol, je n'ai pas trop tardé. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire. Même si le live est fini, j'y répondrai. Il n'y a pas de souci. Et s'il faut, je peux même refaire un petit live en Floride si je vois que voilà, vous avez beaucoup, beaucoup de questions, que ce soit des questions immobilières ou que ce soit des questions liées au programme Investisseur Libre. Il n'y a aucun souci. Je ferme les portes dans moins d'une semaine, je pense. Et il reste beaucoup moins de 100 places. Donc, faites très vite si ça vous intéresse. Regardez tout dans la description. Et dans tous les cas, bah, moi, je vous dis à très vite. J'espère que ce live vous a plu. C'est Fred qui dit Floride, Agen. Yes, il y a une petite différence. Mais je viendrai direct. Avec grand plaisir pour vous aider. Stéphane nous dit avec grand plaisir pour vous aider et surtout passer à l'action. Top. Top, top. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce live et j'espère vous voir très, très prochainement. Moi, je vais profiter, je pense, je vais piquer une petite dernière tête dans la piscine et après, je vais prendre le vol pour retourner en Floride. Et sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.